Les entretiens du marquis, bonjour à tous. Ce matin, j'ai pas eu le temps de terminer ma vidéo, j'ai été pressé par le temps, j'avais un rendez-vous. J'essaie de rattraper ce que je n'ai pas pu faire. Alors, la première vidéo dont je voulais parler, c'était celle de l'interview par Nexus du capitaine Juvin Brunet Alexandre. Il est sorti de prison. Si vous voulez avoir une idée de ce qui lui est arrivé, eh bien, je vous mets le lien dans la description. Souvenons-nous, nous étions en 2017 et certains s'interrogeaient sur l'état mental d'Emmanuel Macron. C'était Ramayad, toujours le lien dans la description. Elle demandait une expertise psychiatrique. Il suffisait d'écouter Emmanuel Macron pour savoir qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Cette expertise nous avait été donnée par ailleurs par le médecin Adriano Sagatori à regarder aussi, hein, parce que lorsqu'on voit ces images et qu'on connaît Emmanuel Macron, les choses sautent aux yeux. Vendredi, on a l'habitude, c'est quelque chose d'assez agréable, nous avons le bulletin Stratpol, hein, mais pas de chance là encore, je n'avais pas eu le temps de le voir parce que j'ai tourné ma vidéo, les événements français ont pris un petit peu le dessus, eh bien je me rattrape, bulletin numéro 125 à regarder, c'est une urgence. On commence à comprendre ce qui est en train de se passer. Le camp otanesque hein, s'agite parce qu'ils sont véritablement sur la défensive. J'ai presque envie de dire sur le reculoir. Et puis, si vous avez encore envie d'analyse sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine, eh bien, je vous invite à regarder Régis de Castelnau, Vue du droit. Toujours le lien dans la description. Une analyse de Sylvain Ferrara, qui est aussi un expert militaire, hein, comme Xavier Moreau, et qui nous donne un petit peu son sentiment sur le conflit. Il y a quelque chose que l'on peut dégager à la lecture de ces vidéos, c'est que d'abord, l'information, il faut la croiser, c'est-à-dire qu'il faut avoir un point de vue des deux côtés. Et lorsqu'on croise les deux points de vue, on s'aperçoit que LCI, par exemple, a une grille de lecture. Quand il arrive quelque chose de négatif à l'Ukraine, ils se débrouillent pour que ça devienne positif. Autrement dit, quand ils affirment quelque chose, vous devez savoir maintenant que c'est exactement le contraire qui est arrivé. J'en ai souvent parlé, c'est une sorte d'inversion accusatoire. Ils projettent leur propre déboire sur le camp d'en face. Voilà, donc demain, une information très très riche. Là encore, j'ai un tas de choses à dire sur la politique sanitaire, sur toute une série de sujets. Je vous souhaite une bonne journée. Moi, j'ai presque terminé la mienne. À bientôt. Au revoir.